Amen. Nimana Jodo. Amen. Nimana Jodo. C'est le musée de la feuille de Porto Novo qu'a choisi l'Union des organisations de santé en médecine traditionnelle pour célébrer le 12 juin la Journée nationale de la médecine traditionnelle au Bénin. Au cours de cette célébration, il a été développé comme thème « Travailles-tu pour le développement de ton secteur d'activité et que fais-tu de ton talent ?» Amen. Ama non dit da gbeton e dide ma o da mi o gbeton le mo we o da amadoni ma o ka o da ma o cho da da mi o gbeton le ko pataki we yin hota awe ne de yede ton de je do yin ama lo me je no ite duro won a alo no ite duro tika alo ye ton de ayun lo amlo wa gbon me hun le gan si aliji ko pataki we ko ta do po ni o ge o he ko su po do wa do de na yin ama lo je dois nous aider en deux gouales en main en deux gouales en son en deux gouales en yonou pour l'on est au vite les gants et mais dans d'un à quoi dans la bio on y m'a moi quoi mais si m'en a bassiné à grand bain à mes mains doit quoi au sort et n'aïk m'a mes doigts quoi doit nous n'y n'a des dents talent nous n'y n'a et nous n'y n'a pas et voyez n'a pas ou n'a pas des maudou n'a pas et le diana y sont tous mais d'où à d'agbe n'a pas de vous et quand on a dit au bébé bon il y a un mot goyi ni on y baï hota de ting on y sait une fois nous non bé ni y mami ou en ando baï ama y ma mami y ma gamba y hochi do nous ma nyu sin bé de y ma ou na y bo a l'oene to asi we et a yera baï an son nan mede vo bo a ma po mene po an anze to lo bo ma po mede ye po y ma gana a médecine traditionnelle sa ma mouama. Il y a un fao to amagodo. Il y a un vodo to amagodo. Il y a un kafa. Il y a un jaï. 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 Il y a un amawe do we ni tita we kuno da o mile de ka so pache na o lozun le ko ko ta ete we do lozun me amawe ama gbe ko gbe jire po to fun e ni se po me hole bu ni so gbe yo po yin te gbe bi ni lo ni me o ma ga wa fi ne yo po bu gbe yin te gbe ni se po me hole bu yin ni ni o su de to amago su teme teme tin to amago bo mi ko se de le bo yin kaka gana bo yeze à ma palais, si vous pouvez, ils ont déjà co, voyez, universitaire, bon, il a ton, de ton, mais il met ton. Il n'y a pas eu à ton bouton, et pour, c'est le co, il va fond, pour me faire ton truc, même le mot, et ma gawa, son roi. Il était tout, de dos, alors des gens, non, de y a malocon, tout ça, vivant. Alors des gens, non, de y a bien, de ton, alors des gens, non, de y a, go to ton, y est bien, de moins, faut tout. Nous venons de sacrifier la tradition. Le 12 juin, c'est notre journée. Journée nationale de la médecine traditionnelle au Bénin. Donc, nous avons voulu célébrer cette journée en organisant une journée porte ouverte. Ce qui nous a permis d'avoir autour de nous nos pères. Et le thème de cette année, c'est PMT. Travailles-tu pour le développement de certaines activités? Et point 2, que fais-tu de ton talent? Ce que l'assistance a apprécié. Nous avons eu à développer le thème en expliquant aux thérapeutes ce qu'ils doivent faire, ce que nous avons le devoir de faire. Et ça a été une journée exceptionnelle. Là où je suis ému. Parce que le fait d'avoir mes pères autour de moi pour célébrer cette journée, hein, ça me fait un grand plaisir. Ça me donne la joie au cœur. Donc les sages se sont manifestés, les femmes, les enfants. Si je dis les enfants, parmi nous, il y a des héritiers. Hein, ils nous suivent, donc ils se sont prononcés, hein, surtout en ce qui concerne le talent. La journée de la médecine traditionnelle, c'est une journée de réflexion, comme ça a été organisé ici, qui doit permettre aux pratiquants de la médecine traditionnelle et aux pratiquants de la médecine moderne aussi de réfléchir ensemble
pour voir les voies et moyens pour faire évoluer la médecine, tout court. Parce que vous savez, au Bénin et en Afrique, l'OMS même dit que 80% des malades vont d'abord chez le guérisseur, vont d'abord prendre les plantes avant de se rendre à l'hôpital. Donc c'est très important que les thérapeutes, les praticiens de la médecine traditionnelle soient informés, soient formés aussi, n'est-ce pas, aux pratiques, aux bonnes pratiques. Et donc et tout ça, c'est au cours de ce genre de séances, des ateliers, des colloques, le partage d'expériences pour que les gens puissent voir comment ça se passe. Je viens de leur dire que lorsqu'ils prennent des malades qui sont des soignés à un moment donné, qu'ils sachent passer la main. Qu'on ne garde pas tout le malade pour dire je vais soigner, j'ai la recette, alors que son collègue qui est à côté peut avoir quelque chose de simple à mettre dessus pour régler la situation. Donc, il faut qu'ils sachent, ils doivent savoir partager l'expérience, partager leur savoir et surtout écrire leur savoir. Ce qu'ils savent faire, il faut qu'ils puissent, que ça puisse transmettre à d'autres personnes. C'est avec une vue d'ensemble que la cérémonie a été clôturée.